Louise Duguay. Bonsoir. Monsieur le Premier ministre. Oui. Oui, oui, je peux. Oui. À tantôt. C'est un agent? Non, non, il n'y a pas d'agent ce soir. Je suis pour le moins intrigué. Louis, je me suis laissé dire que vous intéressiez particulièrement au dossier sur la concentration de presse. Mm-hmm. Émile Rousseau nous a fait savoir qu'il allait de l'avant avec l'achat de TV Québec. C'est pour ça que nous allons déposer un projet de loi sur la concentration de presse demain à l'Assemblée nationale. Déjà? Oui. Tout ce qui traîne se salit. Et si on est pour vivre un débat, ben, j'aime autant que ce soit sur un texte de loi plutôt que sur de grands principes vagues. Et l'opposition? Vous craignez pas d'être accusé de poser un geste de censure? Non. Bon, justement, je vais l'appeler, le chef d'opposition, aussitôt que nous aurons terminé notre si charmante conversation. Non, je voulais que vous soyez la première à le savoir. Pourquoi? Je pourrais vous dire que c'est à cause d'Émile Rousseau, mais non. J'avais vraiment envie de vous voir. Je suis très flattée, Monsieur le Premier ministre. Est-ce que... Enfin, il n'est pas encore minuit? Non, vous pouvez sortir la nouvelle, mais vous protégerez votre source. Hmm? Bien entendu. En échange, je te demanderai une petite faveur. Bien sûr. Accepte mon invitation à dîner, et puis... Appelle-moi Maurice. Pour l'invitation, ça me fait grandement plaisir. Pour le reste, je vais essayer. Bon, mais je rappellerai plus tard, merci. Salut. T'as pas appelé? Il a fallu que d'autres me disent que mon fils est en ville? Pas vraiment le temps. T'as raison. Ça prend moins de 2 minutes pour appeler la base de Bagotville pour laisser un message. Désolé. T'es allé la voir? J'ai vu maman. Pauvre femme. Elle est pas malheureuse. On peut aller prendre un verre en bas, si tu veux. J'ai jamais aimé les bars. Une fois n'est pas coutume. Ils sont déjeunés ensemble, à la place. 7 heures, je suppose. 6 heures? 6h30. Yes, sir. Passe-moi Gaston tout de suite. Gaston, Louise Duguay, trouve-moi une place en une. J'ai un scoop énorme. Faudrait que tu signes le texte. Je te revaudrai ça. OK. Merci. Puis, à part ça. Faut se battre contre le ministère de la Défense. Avec les Russes qui sont rendus de notre bord, ça devient plus difficile de justifier nos opérations. Je parlais de toi, non? Oh. Ah bon? T'as pas de... petite amie? J'ai eu une femme dans ma vie. Ta mère. Mais là, ça fait 15 ans que... Chacun a droit à ses principes. Juge pas les tiens. Tu veux de ça? J'ai le droit de pas te comprendre. Je réussis pas à payer, là, comme journaliste. Je
lis tes articles souvent. Quand tes petites tendances séparatistes paraissent pas trop, j'aime bien. Merci, papa. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais ils exagèrent, tes parents. On est dans les années 90, je ritole. Ils sont très conservateurs. Oh, oh, oh. Réactionnaires, tu veux dire, hein? Depuis que cet article-là est sorti, ça lâche pas. Quand c'est pas l'association de je sais pas quoi, c'est un animateur de radio qui m'appelle pour faire une ligne ouverte. Oui, bien oui, mais c'est normal, là, hein? Vous avez ouvert une boîte de Pandore. À part de ça, là, vous avez posé les bonnes questions. T'as pas à avoir honte de ça. Stéphanie a posé les bonnes questions. Moi, j'ai raconté l'histoire, c'est tout. Elle est habituée à négocier avec ça. J'haïs ça quand ils disent l'article de Gabriella Salvatore. Ma famille, ça va être épouvantable. Et les Italiens, c'est plus catholique que le pape. Tes parents, ils vont finir par oublier. Mais t'es niaiseux ou quoi? Les Italiens, ça n'a rien à voir. T'sais, mes parents, ils sont très religieux, très pieux. OK, OK, OK. Fâche-toi pas, c'est beau, j'ai compris. Écoute... Ça fait une couple de jours, là, que tu me laisses tranquille, hein? Ben, je le sais pas, là, moi, j'ai refait mes forces, là, hein? Ça doit être concentré, là. Pas trop tôt. Ah. Ben, viens donc, hein, viens, on va essayer encore, là. Bonjour, Stéphanie. Salut. T'es au courant? Ben, c'est la raison pour laquelle je voulais te voir. Je m'en doutais. Depuis que Francis est né, c'est toi qui passes à la maison. Comment il va, mon petit homme? Il va bien. Bon. Stéphanie... je sais pas comment le dire, mais... je trouve que t'es quelqu'un de bien. Ouf, c'est compliqué de se parler, hein? Je sais. Comment tu aimes l'Express? T'as pas le droit de faire ça. J'ai pas le choix. Laisse tomber ton réseau de télévision. L'Express est sacré, tu peux pas faire ça. Je te comprends pas, là. L'Express, c'est ce dont je suis le plus fière à part les gens que j'aime. Puis le journal a besoin d'un propriétaire comme toi. Quelqu'un qui respecte le droit du public à l'information. Puis c'est pas vrai que t'as le droit de vendre ça à n'importe quel plouc qui a des millions à flamber. Mais c'est pas moi qui a changé les règles du jeu. J'ai horreur que des petits fonctionnaires minables viennent fourrer le nez dans mes affaires. Ils veulent jouer aux petits socialistes, ils joueront aux petits socialistes tout seuls. À qui tu veux vendre? Pas à n'importe qui, au moins. N'importe qui? Qui ça, n'importe qui? On a quelque chose de bien important à vous demander. Il va falloir faire vite. Le camion va revenir. Il faut pas partir. J'ai pas beaucoup le choix. Y a personne de parfait ici. Tout ce qui s'est passé, on veut plus y penser. Je regrette. Écoutez, vous savez tout ce qui est arrivé. Vous avez lu le journal? Vous avez écouté la radio? On a une proposition.
On va aider à la mère à déménager, pour se trouver une job quelque part, et puis on va l'aider à élever son bébé. C'est aussi mon enfant. Eh oui, mais vous ne pouvez pas partir. Des prêtres, il n'y en a plus. Le même curé fournit 3 ou 4 paroisses. Sainte-Blanche veut pas perdre son curé. Qu'est-ce qui se passe? C'est une vache. Écoutez, c'est très gentil de votre part. Je vous remercie de votre générosité. Mais c'est fini. J'aime cette femme. Ça n'a rien à voir avec tous vous autres. Mais je suis passé à autre chose dans ma vie. Alors, veuillez m'excuser, mais j'ai du travail à terminer. Je sais dessus, moi, Albert. Attention, Albert, on pensait que c'était son retour d'âge, on n'est plus sûr de rien. Mes amis, c'est la troisième fois que je mets les pieds dans votre salle de rédaction. Les plus vieux se souviendront qu'on avait vidé quelques bouteilles de champagne quand j'ai acheté l'Express. L'an dernier, on a réglé ensemble le petit différend. Aujourd'hui, je vous annonce qu'on m'oblige à vendre l'Express et tous les journaux que possède Roussac au pays. Ça ne me fait pas plaisir. Enfin, vous avez le scoop. Vous pouvez le jouer fort, en une, je ne changerai pas d'idée. Vous m'avez donné plus de maux de tête que toutes mes autres compagnies mises ensemble. C'est pour ça que je vous aimais tant. Avez-vous une idée de l'acheteur? J'ai eu une offre il y a quelques minutes, mais non, c'est trop tôt pour en parler. Est-ce que vous savez si cet acheteur est québécois? Bien sûr. L'Express, c'est le sang de cette nation. Non, je m'excuse, ce n'est pas une conférence de presse. Est-ce que ça veut dire qu'on va perdre notre job? Qui va nous assurer de l'indépendance éditoriale de la salle de rédaction? Ils veulent savoir pareil, hein? Un instant, là, Géritol. Welcome to the show. Bonjour, Pa. Salut. Serge. Écoute, je te trouve bien fine, là. Mais tu vas te ramasser, OK? Moi, je suis vieux garçon, puis j'aime ça quand ça reste propre. Je m'excuse. Tiens, il y a un monsieur qui a apporté ça. Quoi ça? Mise en demeure. Une mise en demeure? Hey, pour qui est-ce qu'elle se prend, ta mère, hein? Hey, moi, là, avant, j'étais bien. Là, t'arrives, puis le trouble commence. Qu'est-ce qu'elle veut, ta mère, hein? Oui, Marielle Gosselin, s'il vous plaît. Marielle Gosselin, Serge Vandal. Ouais, Vandal, c'est ça le père de ta fille. Moi, ouais. Ouais, je t'appelle, non. Je t'appelle, t'as dit que je te trouve pas mal baveuse. Hey, y a une mise en demeure pour reconnaissance de paternité. Hey, j'ai pas honte de ça, moi. J'ai pas besoin d'une mise en demeure, me dire je suis père, moi, tu sais. Quoi? Écoute, à date, j'étais un bon garçon, là. Mais ta mise en demeure, là, tu peux te fourrer dans le cul si ça te tente. C'est correct? Hey, hey, hey. Écoute, je sais pas ce qui m'en tient de monter là-bas, là, dans ton trou, là, pour aller te montrer comment je m'appelle, moi, jasant un peu. As-tu vu que c'est demain que ça se passe? Ben, regarde, ben, oui, oui, tu vas me voir, ben, on va se voir entre quatre yeux, tu vas voir que je louche pas. Tu vois, là, le trouble commence, t'es là, là. Puis elle, elle se décide, demain qu'elle se défende dans le temps, pas aujourd'hui. T'as pas le droit de parler de même de ma mère, puis Val-d'Or, là. C'est pas un trou. Hey, si t'es pas contente, t'as rien qu'à retourner dans ton trou pour aller voir ton hystérique demain. C'est correct, ça? C'est dégueulasse, qu'est-ce que tu viens de dire, là?
Ma mère, là, c'est pas une hystérique. Oh, ouais, ouais. Écoute, je m'excuse, OK? Tu sais, je reçois le papier, ça fait que c'est normal que je sois pas une nénère, tu sais. Je m'excuse. Hey. Je m'excuse. Je voulais pas dire ça, OK? Hmm? Ça va être correct. Juste 5 minutes, monsieur Patry. Salut, mon chum! Qu'est-ce que t'as de bon pour moi? Comme d'habitude. La farine, du sucre, puis des ampoules. Ah. Attends, qui c'est ça, celui-là? Un journaliste de Montréal. Un journaliste, ça m'impressionne. C'est quoi ton nom? Michel Gagné. Ah, l'Express, je te connais. T'écris bien. Merci beaucoup. Tu vas pas me le laisser ici, hein? Hey. Tu sais que je veux voir personne, personne. Ce serait juste pour une journée. Pas tellement. On t'a bas, puis l'express du samedi, ça dure plus longtemps. La dernière que tu m'as apportée, je la sais par cœur depuis des semaines. Bon, après demain. Peut-être demain soir. Le père Patry, c'est pas un cadeau, hein? Vas-y. Allons. OK, OK. Hé, hey, oh! Non. Ah, tu viens de le chercher. Où c'est que je me sens, moi, là? T'as pas compris, j'ai dit que je voulais voir personne. Oh, là, doucement, hein? Tu viens ici pour m'écœurer, toi? Non, je veux pas écœurer personne, moi. Je m'en vais, OK? T'as des bons nerfs. Les deux autres sont venus avant toi et ils chiaient dans le culotte. À cette heure qu'on a de la farine, on va se faire des crêpes, hein? OK. On va être ça là. Je vais aller chercher l'autre sac. Okay? Ouais. Ça fait 28 ans que je suis ici. Comment vous faites pour vivre? Oh, il manque de rien. Le lac est plein de poissons, il y a du lièvre. Puis, 3-4 fois par année, mes chums, les aviateurs, ils me montent de la farine, du lait, des œufs en poudre. Ben, votre farine puis vos ampoules, vous les payez comment? Ben, avec ma pension. Quelle pension? Ma pension des vétérans. J'ai fait la guerre 39-45, moi, mon grand. J'avais 17 ans quand je me suis enrôlé. Et puis après, ça a été la Corée, puis Chypre, puis j'ai quasiment fait la moitié du monde. Hein. Fait que ça fait 28 ans que vous êtes isolé, ça. Seul. Oh, tout seul, tout seul. Je suis tellement bien. Les premiers temps, les premières années, par bout, je me parlais tout seul. Et puis tu te calmes, et puis. Tu finis par écouter ta petite voix. Et puis, tu sais, à tous les printemps, il y a les écureux qui reviennent, et puis... Même les orignaux, ils finissent par te faire confiance. je t'ai eu, là! Ça, c'est pour le roman. Que je te conte ça. Penses-tu que je suis venu ici pour les wawarons? Vous êtes venu ici pour quoi, d'abord? Vous êtes une femme. Elle était belle en limeuse. Elle était belle. Je l'aimais. Elle était fine.
Seulement un beau jour, elle est partie. Elle m'a laissé. Elle est partie avec ce grand fendant, mon colonel. C'est ça qu'ils appellent une peine d'amour. T'as déjà arrivé, toi? Travailleurs de l'information. Les journalistes, Richard. Le mur de Berlin est tombé. Nous autres, on n'a qu'un but. Bien servir l'information et éviter d'être exploités et manipulés dans la vente de l'entreprise. Et puis? Mais il va se passer quoi, l'avenir, Mme Duguay? Qu'est-ce que va vous demander M. Rousseau et le rôle de Paul Vizina dans la vente de l'Express? Autrement dit, est-ce qu'on va revivre une période de dégraissage de l'entreprise pour qu'elle soit plus alléchante à l'acheteur? Bon, demandez-nous donc en couleur les petites culottes d'Émile Rousseau dans la partie. Cercueil de cercueil. On sait-tu ce qui va se passer, nous autres? Quand Émile Rousseau a acheté l'Express, moi, j'étais au Montréal le matin, Louise, t'étais au devoir, puis toi, François, t'étais à Radio-Canada. Hein? Puis? Mais c'est pas une raison, Géritol, pour pas se protéger. Écoute-moi bien, Tintin. Ta job, tu l'as, et t'es syndiqué. Nous autres, de ce côté-ci de la table, on sait pas ce qui va nous arriver. Des passes de cadre, ça court pas les rues, OK? Lâche! Pardon? Est-ce qu'on peut compter sur la collaboration, la bonne volonté de la direction? Pour nous donner au moins les renseignements pertinents à mesure que la situation va évoluer. On peut se rencontrer une fois par semaine. Merci. Émile qui est en train. Oui, oui. J'ai lu ça ce matin. Puis moi, ben. T'as perdu la présidence du syndicat, je sais. T'es au courant? Est-ce que tu reviens? Oh, je sais pas si je vais revenir. Ben, voyons. Si je suis chanceux, ils vont m'offrir une vice-présidence quelconque. Claude Dubé, t'as toujours été pessimiste. L'optimiste dans le couple, c'est Monique. Je suis contente de voir que ça tourne pas trop mal, l'affaire du plagiat. Monique sait maintenant qui sont ses vrais amis. Claude, j'ai manqué de jugement. On a manqué de jugement. Et puis quand ça arrive, ces affaires-là, on peut plus réparer, tu le sais. Oui, mais Monique, elle, elle sait pas. Claude... C'est quoi son problème à Maurice Dion? Il y a toujours eu un rapport de force équitable entre Émile Rousseau et ses journalistes. Puis en plus, le journal est bon. Je te dis, moi, je trouve que ça sent le règlement de compte. Il va être obligé de s'expliquer. Ouais, je vais préparer une belle chronique, puis il va être obligé de répondre aux questions. Non. Comment, non? T'es la fille d'Émile Rousseau. L'apparence des conflits d'intérêts est trop forte. Ça, c'est de la censure, Louise Duguay. C'est du discernement, du gros bon sens. Une entrevue, nous allons en avoir une. Martine, peux-tu me rejoindre le bureau du premier ministre? Une minute. Yanka est sur l'autre ligne. Oui, Yanka? Non, OK, j'arrive tout de suite. Francis a une grosse fièvre. Et ta chronique? Je te rappelle. Les bébés. Tu vois, le jeune, quand ça mord pas plus que ça, des fois, je me demande à quel bout de la ligne qu'est le poisson. Par de ça, ce que je comprends pas, c'est comment les gens s'habillent. À chaque fois que je reçois un nouveau journal, c'est pareil. J'en ai de moins en moins sur le dos. Dès que vous avez de la société, c'est 28 journaux. L'évolution doit se faire vite, hein, à des bouts.
Oh, l'évolution, l'évolution. Je pense que ça sera plutôt la destruction. Le patente écologique, comme qu'ils disent. Puis la guerre. Je comprends pas qu'on fasse encore la guerre. Puis toi, qu'est-ce que tu manges à Montréal? Tu manges-tu ce qu'on voit dans les journaux? Bien, la pizza, parce que c'est un site. Tu l'aimes-tu? Oui. Avec ben du pepperoni et double fromage. Je parle pas de ça. Comme un fou. Ouais, j'ai bien de la misère, c'est un site. T'as-tu des enfants? Oui. Un fils, Francis. Il est formidable. Ben alors, t'es riche. T'as tout ce qui est important dans la vie. T'as pas bien le choix. Ah oh ben non, tu t'installes de plus en plus loin dans le Nord pour vivre tout seul. Ah oh ben non, tu règles tes problèmes. Et si tu veux, c'est le même. Ah oh ben, ah oh ben. Oh! Oh, je pense que tu vas manger un brochet à soir. Ouais. Doucement, doucement, doucement. Ah! On a aussi des bines, au moins? Oui, il y a des bines, on peut se faire. Ouais. Avec le poisson qu'on a perdu, puis rien qu'on a trouvé dans le bois. Je peux pas dire que tu m'amènes la chance. Excuse. Chance de faire de la soupe. Ah. Ouh! Oh. Viens-tu baigner? Non, non, moi, le jeune, moi, je reste assis. Tantôt. C'est ça. Mets-toi pas à bûcher, là. Jean, soupe est prête. Jean. Hey, Jean. Puis, Émile, la vente de tes journaux. Non, 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 mais c'est sérieux. Ah, come on, come on. Pas à moi, quand même. J'ai pas le choix. Non. Dion me fait payer le prix pour notre position aux dernières élections. Calvaire, Émile. C'est pas la première fois que l'Express est fédéraliste. Il dit, il pensait-il qu'on appuierait un parti séparatiste? Mais ça, ça change rien au résultat, ça. J'en reviens pas, Émile. Tu vas te laisser mener par le bout du nez par ce trou de cul-là. Toi, Émile Rousseau? Hum? T'aimerais pas ça, toi, acheter l'Express puis les journaux de la chaîne? Hein? Moi, Paul Vézina, acheter ton... Hey.
acheter ton empire de presse. Combien ça coûte? Moi, je pourrais mettre 200 000 piastres en prenant une deuxième hypothèque sur ma maison. C'est sérieux? Penses-tu que Claude Brochu aurait 100 millions pour acheter des actions? Hein? Comment tu demandes pour l'Express? Pour l'ensemble des journaux, 215 millions. Il me reste 214 millions et trois quarts à trouver. C'est épilote. Bon. Quand t'es un endosseur, hein? Un endosseur? Un backer, tu veux dire? Hey, Maurice Dion, il me force à vendre l'Express. Mais t'en dis pas de prêter de l'argent. Hmm? Ah. Ouais, mais ils vont surveiller la transaction. Tu peux pas t'imaginer toutes les ramifications de nos compagnies asiatiques. Ah. Ouais. Puis comme ça, moi, Émile, tu vas rester proche du journal. Paul, tu me connais mieux que ça. Ouais. Je te connais pas mal. Cherche une fille. Ça manque pas ici. Marielle Gosselin, tu veux dire quelque chose? Je connais pas. On m'a dit qu'elle travaillait à l'hôtel commercial. C'est ça, l'hôtel commercial? En plein ça. Je peux rentrer? Que nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation. Je vais aller te reconduire. T'as-tu une voiture? C'est à faire. Parfait, on va prendre la tienne. Pour aller où? Ben, on pourrait aller prendre un café chez toi. Écoute, Serge, je peux t'appeler Serge. Ben oui. Oublie pas qu'on se connaît. Ça fait longtemps, mais on se connaît pareil. On a pas mal de choses à jaser. Mm-hmm. L'idéal, ce serait qu'on se voit demain. Je suis fatiguée. OK. Et me reconduire. Demain, tu vas savoir où je reste. Je n'osais pas insister, mais si t'en parles. T'étais moins gênée dans le temps. Je suis rendu sage. C'est pas ce qu'Anne-Marie m'a compté. Attends.
bien gros, mon petit Jean. C'est bon. Il faut que la position de l'institution soit claire et ferme. L'Express doit demeurer la propriété de Québécois. Il semblait que tu penchais du bord d'Ottawa, toi. C'est manquer de vision sociale que de parler comme tu le fais. Excuse-moi, Gilles. Je voulais pas te paraître socialement myope. Et les réactions? Ouais, j'aurais pensé que nos penseurs et décideurs auraient réagi plus fermement. J'ai l'impression qu'Émile Rousseau fait bien des jaloux. Louise Duguay. Le bureau du premier ministre. OK. Un instant, s'il vous plaît. Merci, Gilles. Oui, M. Dion. Très bien, merci, oui. Merci, Gilles. Nous faisons un journal, pas de la politique. Et pour cette entrevue, quelles conditions? Je suis pas certain que tu avais le droit de faire ça. La loi, elle permet pas ça. La loi, je m'en crisse. Patrick voulait t'enterrer ici, tu me l'as dit. De toute façon, la loi dit rien pour les ermites qui ont passé 28 ans sur le bord d'un lac. C'est vrai que c'est pas facile de ramener un cadavre à Chicoutimi. Bon, ben, on va y aller. Mais bon. Oui. Non. Non. Oui. Pas juste un petit espoir. On peut découvrir le remède pour la maladie d'Alzheimer demain matin. Et ça sera un miracle. Puis pour moi puis mon fils. Et votre mère a été frappée de la sénilité précoce. C'est particulier, mais pour vous et le petit, je m'inquiéterai pas. Merci.
bébé. Salut, papa. As-tu un problème? Non, non. Je repars. Je suis juste venu te dire que... Rien que je t'aime bien, gros. C'est pas prudent. Je te ramènerai, Francis. Pas cet acharnement. Ma chère Louise, est-ce que tu as lu l'Express et tous les journaux Roussac pendant ma campagne électorale? Oh, vous avez eu droit à une couverture honnête. Oh, ben bonne celle-là. Les présentations de textes, puis les éditoriaux de ton Gilles Bernard. Non, c'était du poison vif, admets-le. Là, je parle pas des quotidiens régionaux parce que, franchement, ils étaient infects. As-tu pensé ce qui va se passer au moment du référendum? Les quotidiens, les hebdos, le plus important réseau privé de télévision du Québec, tous ligués contre une seule option, tous vendus à Ottawa. Jamais! Mais c'est impossible. Viens, non, c'est pas impossible. Mon Dieu, c'est de la folie.